Allez, go. Attention à la vitesse dans les box. Eh bien. Go. Je vais tout de suite monter là parce que ça change rien de toute façon. Ah, j'ai pas vérifié la pression, effectivement. On va pouvoir y jeter un coup d'œil. Ah, peut-être... quoi, mettre un peu plus de pression pour que ça chauffe un peu plus. Difficile. Ou alors, faut prendre la ligne haute. Peut-être que la ligne haute, elle tient. Bah non, la ligne haute, elle tient. Mais ça tient pas du tout. Il y a absolument rien en grippe. Oh. Alors là... De mémoire... Je me rappelle pas avoir vu une piste avec si peu de grippe. Bon, allez. Go for it. Oh, c'est horrible. Oh. Je vais être 19ème, ça va être une catastrophe. Alors, on est 8ème. Et on est obligé de tellement soulager pour entrer dans le virage. C'est incroyable. Oh. À la recherche du grip. Oh là là, ça va tellement mal se finir. D'habitude, j'ai bon espoir, là j'ai déjà un mauvais pressentiment. Allez, on en termine. Check red, on est 9ème. Mais là, j'avoue qu'habituellement, j'arrive à faire quelque chose du troisième. Du troisième partiel, mais là, on est vraiment nulle part, quoi. On est en 100 évidemment au niveau du relatif, hein. On est 11ème maintenant. Alors Dorian, si tu veux savoir où en est mon PC, tout est disponible dans la description et non, je ne l'ai pas monté moi-même. Peut-être même rater mon garage. Oui! Your radio actually sounded really scratchy that last time you were talking to us. Maybe just kind of look down there real quick and double check your connection, check your helmet. You're on the inside. Closed. Pyro's closed. Mais il te dit au cas où tu l'avais pas vu, tu es à l'intérieur. Ça broie les moulins. On a Michael Smith derrière. Rendez-vous au premier virage, oui, rendez-vous au premier carnage. Deux tours, ouais, c'est vrai, je crois qu'il y a deux tours. Ouais, ligne, chiffre impair, c'est ligne intérieure, oui, effectivement. Tu ne feras pas un tour, Nicolas qui est optimiste. Ah, laissez-le moi. Voilà. Je suis pas sûr à l'intérieur c'est une bonne chose. Oui Barik, je pense que on va tous mourir au tournoi, ça va nous calmer. Jean-Baptiste. Ah effectivement la décédence. Maxou chanceux d'être à l'inside, un prank je pense. Inside mais attention aux premières courbes. De toute façon on va se mettre dedans. Hein. On va se mettre dedans quoi qu'il arrive. Regardez, on n'est même pas parti. Oh là là. Norime. Maman au secours, j'ai tellement peur. Ça va tellement partir en live.
Bon, après, on fera du Pickers 2, ça partira en live, mais on fera de la Clio Cup, ce sera plus sympa. Alors que ça se porte à ma hauteur pour le numéro 1 qui a complètement foiré sa qualif. Ah, le petit skin Donald Trump qui arrive à droite, bonjour. Donald Trump pourrait finir dans le mur. Ethan qui nous sort des petites vannes. Toi aussi fais ton Moïse au départ. Ah, mais tout le monde est sur des œufs, c'est ouf. Allez, c'est parti. Clear. On est clear. Numéro 3 qui a l'air un peu perdu. On passe. On a pris un bon envol pour le moment. J'ai tellement peur qu'on marponne. Oh, je suis pas sûr qu'il m'avait vu. Je vais dans le mur, je vais dans le mur. Bon, ça va. Non, me dis pas Golo, il y a un mec à gauche. Bolo. Je faisais la bagarre avec Jarrett Cosby. Ok, bon. On a survécu. On aurait dit le 44 de la NASCAR au départ. Oui, effectivement, je viens de me rendre compte maintenant de ce que j'ai lu tout à l'heure. Je pensais que c'est une référence à un certain pilote de Formule 1, mais pas du tout. Ah oui, mais là, c'est pas qu'il n'y a pas de niveau, là, c'est qu'il y a... Ah oui. Il a fait la même que j'ai faite tout à l'heure à Phoenix. Genre, bye, 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 bye. Alors, Jarrett Cosby est toujours derrière, toujours autant de fumée dans le turn 4. On doit faire un barbecue du côté des spectateurs. Et petit top 5, TMTC. Nice and smooth, exactement comme j'aime. Balance ton Moïse, oui, effectivement. Oui. J'assume pleinement l'ouverture en deux. Ah, mais j'ai accéléré en deuxième au vert. Si les autres accélèrent pas, je les ai pas dépassés avant la ligne. Alors, la référence de tout mon matériel est dans la description, sauf erreur. Peut-être que le microcast n'y est pas maintenant que j'y pense, mais si pas, c'est un Sennheiser HMD-27. HMD-C27, pardon. Sinon, t'auras pas le câble si t'achètes un HMD, ce qui est plutôt con. Voilà. Alors que Jarrett Cosby revient. On va pas non plus faire des pieds et des mains pour rester devant lui. Il est de l'Ohio. Putain, les retours en piste. C'est Sébastien là qui nous a fait très très peur. Au point de quasiment nous faire sortir. Là, on a dû monter très haut sur l'ovale dans le doute. On ne connaît pas les intentions des pilotes. Contre-braquage des familles, effectivement. Et on a fait que 7 tours. Hein. Même pas au tiers de la... Tiers de la course. Alors tant qu'on n'est pas tout ou 3 wide, ça va. On peut ouvrir s'il y a un problème, mais... Les remontées sur l'ovale sont tellement cheloues. Ils remontent pas là, Bolo!
Ah tiens, t'es dans l'herbe, la belle info. Charlie qui est allé nous remonter sur la piste en plein milieu de l'ovale a dit ça passe. Oui oui ça. Ah voilà, clear inside. On laisse Sébastien Brossard passer. On l'aime tous Brossard. Ça sent le tête à queue qui va se pointer juste devant ton capot. Ouais, je le sens bien que ça va se passer comme ça aussi moi. Ah. Ah. Vous sentez que j'ai pas du tout la confiance là, hein, dans ma voix. Alors que devant on a la bagarre avec je crois le 5 qui est dans le mur. Oui, le mec devant nous s'est mis dans le mur. Ah, c'est sorti. On accède au retour au top 5 je pense. Ah, Jared Cosby qui s'est mis dedans. Beaucoup de patience aujourd'hui. Ah, exactement. Le spotter qui a parfaitement expliqué la situation. Beaucoup de patience, c'est ce que j'aime, m'enrouler à la patience. Ça me dérange pas. Déchaîné, Maxou. Non, mais ça va, hein, en fait. Je vais faire mon dick trickle. Je vais bientôt sortir une clope. J'exagère un petit peu, évidemment. J'essaie de quand même rester sur la ligne. Mais c'est vrai que ça glisse énormément. Et surtout, il y a des, voilà, il y a des pertes de contrôle et des retours en piste qui sont extrêmement mauvais. Donc on a de la chance pour le moment. On va, je crois, accéder à la quatrième position. Voilà, pied de podium pour nous. Devant nous, on va pas aller chercher Sébastien parce qu'il n'y a pas de raison. Jared Cosby à 10 secondes. Ça se passe. T'es tordu comme une crampe. Si je te dis que t'es tordu, t'es tordu. Dis pas que t'es pas tordu. Je le vois que t'es tordu. Voilà, donc bonne référence à François Damiens, évidemment. Ah, si je veux un podium... devoir être très régulier parce qu'il y a beaucoup de monde. Course par élimination, exactement Benjamin. Ah, Benjamin qui n'a pas pu être là ce soir en piste je crois, mais qui est là avec nous sur le chat. Oh, c'est sorti devant. C'est sorti pour le, je crois, le skin de Cole Trickle de mémoire. Alors Jonathan Bouchard qui devant est en train de nous faire une salade de biel. Ça sort encore. Mais il n'y a aucun sens. Il faut que je téléphone à ma copine parce que je crois que là je suis cocu. C'est pas possible. Man. Ce sauvetage. Baywatch quoi. La vache. Le leader est au... Ah. Tellement de cris virils, oui, c'est bon de faire une sunbox. Hein. En même temps, les concurrents s'éliminent tout seuls. Ah, Eric qui est un petit peu chafouin. La chatte, merci beaucoup, Nicolas. Oui, c'est un point de vue, c'est un point de vue. Mais j'ai effectivement énormément de chance sur cette course. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que vous allez voir au moment où je vais répondre. Le décalage avec le live, il y a quasiment 30, 40, 50 secondes, il y a peut-être un tour ou deux, quoi. C'est ça qui est terrible. Ah. Non, mais ça, c'est pas juste! Mais non, mais non, mais non! Si personne ne me touche, c'est un miracle. Oh yeah. C'est incroyable. Ça, ça s'appelle... voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Ah, ça passe une fois, mais pas deux. Bon, on va pas perdre espoir, on est P6. Hein. On pense à Jacques. Voilà. On est déjà remonté P4, je crois. Non, mais... Leader dans le pit road. Pff, ça n'a pas de sens. Cette course n'a aucun sens. Là, c'est pas de chance. Ouais, effectivement, ça, c'est pas de bol. Alors que Jean-Baptiste Taureau devant. Très, très lent. Allez, salut. J'ai Bud qui me revient dessus.
car stopped on the bottom. Voiture arrêtée dans le bas. You're looking good. Times are good. Keep concentrating. On laisse passer le leader qui va nous prendre un tour. Ainsi que la voiture qui est en 13e position, la numéro 3. Survivor, bah oui, effectivement. Hein. Fallait bien y aller dans ce mur, finalement. Hop. On va se passer Donald Trump, on a perdu la quatrième position, c'est Benjamin qui est repassé. Je souffre terriblement. Sur le chat on me dit Maldonado et Kvyat vont te demander comment tu fais. Oh bah ça c'est l'expérience et le talent, hein. C'est inné chez moi. Non, par contre, si on arrive à sortir un top 3 ou un top 5 avec ce qui se passe, c'est juste hallucinant. Hein. Sincèrement. Hein. Franchement, c'est juste ouf, quoi. Ça glisse, hein. Vous en rendez peut-être pas compte, mais accélère, ça tourne. Ça glisse terriblement du train arrière. Allez, il reste 6 boucles. Ah, alors qu'on a derrière Donald qui revient. Le leader est dans la pit road. Pas mal. Bon, s'il y a des longs messages sur le chat, je vous invite à les reposter hors course, évidemment, pendant les pauses ou pendant les temps morts. Je peux pas lire les longs messages pendant que je roule. J'essaie de vous lire, évidemment, mais c'est un petit peu compliqué, surtout dans des conditions aussi compliquées. Bah, les Maldonado pour Noël si les heures de sommeil sont avec moi. C'est tellement tendu du slip. Allez, 5 tours. Il le dit, j'ai même plus à vous le dire, c'est incroyable. On me vole mon travail. On va laisser et Jared Cosby passer. Il est 9ème, de toute façon il n'est pas dangereux. Alors on est sur le circuit de Charlotte en Caroline du Nord avec les Truck Series Silverado 2013. On fait du good job. Prends devant. Je préfère laisser passer et arriver vivant. Avec Donald qui m'a doublé pour la quatrième position. Je crois que ça va se sortir devant, donc on va rester cool. Hein. Tellement pas envie de prendre un coup de raquette à deux tours de la fin, si vous saviez. Oh. Ouais, deux hard ones, ouais, effectivement. Deux bien compliqués. Et Benjamin qui va faire un joli podium, bien joué à lui. Faut encore aller les faire les deux derniers tours. Hein. On y est là, on rigole, on fait les malins, mais pas facile. Hein. Ah bah oui, non. En fait, j'ai pas retiré les jupilaires du coffre, je les ai mises. Ça me fait du poids. White flag this time. White flag. Mais en tout cas, faire deux têtes à queue et être à une seconde du deuxième, j'avoue. Et deux beaux gros têtes à queue. J'étais à l'envers dans la ligne droite des box. Hein. C'est ouf. Pas dans la ligne droite, dans le passage devant le... Il n'y a pas vraiment de ligne droite ici. Hein.
devant les box. Mais attention, j'ai très peur du truck Hooters qui remonte en piste. On va le laisser là, de toute façon, le 5ème il est à perpète la galette, comme on dit quand on a plus de 89 ans. Et on va aller chercher notre pied de podium. Je crois qu'une 4ème place, après tout ce qu'on a vécu, c'est pas mal. Ah non, ne fais pas ce que je crois que tu vas faire, je t'en supplie. Non. J'y vais pas. Voilà, je fais ça. C'est fait, voilà. Au revoir. Bon, bah P4 ! Emmerich salé sur le chat. On parie, il finit en drift dans les derniers mètres. Ah ouais, pas de problème. Allez ! Faire deux têtes à queue et être à une seconde du deuxième. C'est quand même beau tout ça. Hein. Ah, bien joué, Benjamin. Bien joué. Félicitations. Belle deuxième place. C'était chaud. Ah non, c'est vrai que là... Alors... Ils ont mis les pneus neige. Non, mais Emmerich, ça tient, regarde. Non, ça tient pas. Bon, bah voilà. Superbe course. On va vous afficher quand même les résultats. On termine quatrième. Bon, ça va, finalement. Désolé de t'avoir ralenti comme ça, Maxime. Ma voiture était une épave. Désolé, pas de problème. Bien joué. Donald Trump te dépasse grâce à un contact avec le mur. Reptilien. Bon, écoutez, on fait pas grand chose de mal, hein. Voilà. On est fan de Track Series. Bravo quand même, beau talent. Merci Nicolas, c'est évidemment uniquement grâce à mon talent que je dois ce podium, mais pas du tout au fait que les 40 pilotes autour de moi se sont mis dans le mur. Mais c'est quand même gentil comme compliment, je veux pas dire.